30, c'est-à-dire Elena Goudnova pour la Russie, Lysenko pour l'Ukraine et la petite Fragas, Cristina Fragas pour l'Espagne, mais qui n'a pas, je pense, un mouvement suffisamment riche en difficultés majeures pour inquiéter l'Ukrainienne. Voilà, donc son mouvement, on le voit, très rythmé, avec une alternance entre la barre supérieure et la barre inférieure, assez rapide, hein, assez dynamique. Là, un deuxième passage en lune, et elle prépare sa sortie en double vrille. C'est bien, elle a progressé, la petite Fragas, hein. Avec sa sœur Sonia, elles seront à Barcelone, devant leur public, très stimulées et sans doute très survoltées pour obtenir des places d'honneur. Mais pour aller décrocher l'or, l'argent ou le bronze, il faudra quand même faire un peu plus fort. Changer en prise, lune, un grand tour et le lâcher en salto avant jambes écartées appelé le Jäger. On a une combinaison de demi-tour, contre-volé. Le passage à l'équilibre à la barre inférieure. Encore un grand tour lune et les grands tours soleil avant la sortie en double vrille. Voilà, mademoiselle Fragas, sans doute très satisfaite de sa note 9,750.